Good morning, Souria. Bonsoir à tous. Vous êtes en direct pour la dernière radio libre de francophonie et ce soir, nous continuons notre voyage à travers les routes de Syrie. Nous avions quitté Dera dans le dernier épisode et désormais, nous filons vers Damas. Nous nous apprêtons à entrer dans la capitale où bat le cœur de la Syrie. Damas, la plus vieille ville du monde, capitale de l'Empire musulman, épicentre du régime d'Assad. Assalamu alaikum, Dimashq, nous voilà. قرية طبيعة وجبل قصتنا بديت من هون أغانينا بتحكي أمل رح نوصلها للكم موسيقى تذكرة أصفار بين القلوب الحية موسيقى هدية وتذكار للأرواح المنسية قرية طبيعة وجبل قصتنا بديت من هون أغانينا بتحكي أمل رح نوصلها للكم موسيقى تذكرة أصفار Nous venons de quitter Dera et nous engageons vers le nord, vers la route de Damas. Nous empruntons la M5, cette légendaire autoroute nous conduisant jusque Alep. C'est aussi la route de Saint-Paul, celle-là même où lui serait apparu le Christ en personne. C'est ici, dans la révélation à Paul, que l'Église catholique est née, sur ce bitume chaud, dans le désert aux portes de l'oasis de Damas. Mais c'est aussi ici, un peu plus tard, qu'ont campé les premiers musulmans. Ces vétérans, ceux qui avaient fréquenté le prophète Muhammad, ceux-là même campent devant Damas. Le calife Omar les guide et ils vont prendre la ville millénaire. La prise de Damas marque le début de l'âge d'or arabo-musulman, mais c'est aussi ici que commence la première scène de la tragédie syrienne. Celle qui se passe ici, à Damas, et qui va fragmenter le monde musulman. Après l'assassinat d'Ali, le gendre du prophète, Muawiyah prend la tête du califat et déplace son centre à Damas. C'est le début de l'empire omeyyade. Mais le califat est grand, très grand, et tous les musulmans ne sont pas tous d'accord avec Muawiyah. Certains préfèrent le fils d'Ali, Hussein, et ils se déchirent sur la question. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'à partir de ce moment, jamais plus les musulmans ne seront véritablement unis. Tout le travail entrepris par le prophète, c'était comme fêlé avec le temps. La Syrie passe alors de main en main. Après la chute du califat de Damas, le pouvoir se déplace à Constantinople. Les Turcs lâchent définitivement la Syrie. Le pouvoir passe sous mandat français, d'abord sous l'influence de Vichy et puis sous Charles de Gaulle. En tout cas, l'histoire de la Syrie est à l'image de la route entre Dera et Damas. Abîmée, tortueuse,
aux frontières sans cesse changeantes et toujours ceinturées de militaires lourdement armés. Elle n'en reste pas moins fascinante et hypnotique. C'est comme si cette terre était la plaie ouverte sur laquelle piétine l'humanité depuis son origine. Et quand on traverse ces routes, on ressent la nostalgie de ce temps où Damas était la lumière du monde. C'est comme s'il y avait dans le cœur de tout Syrien l'espoir de réunir le monde arabe sous son drapeau, comme jadis, afin de réparer la faute des Omeyyades. La route jusque Damas est longue, c'est pourquoi nous vous proposons le titre Yar et Nitir de Farid Alatrash. Alatrash est le parrain de la musique orientale. Syrien d'origine, il incarne la variété, le poète folk arabe par excellence. Il a permis la renaissance d'une musique nationale de variété à une époque où seuls les disques qu'on trouvait étaient ceux du colonisateur. On l'écoutait du Maroc à l'Égypte, jusque même en Irak et, évidemment, en Syrie. Farid Alatrash, c'est au final celui qui tente de réparer la faute des Omeyyades sur les ondes. Il fédère le monde arabe autour de sa poésie romantique et de ses chansons. Alors les pièces sont longues, comme le jour sous le soleil syrien. Alors avant d'entrer à Damas, voici Farid Alatrash. Yar et Nitir, ah, si je pouvais voler, si je pouvais être le cil qui surplombe tes yeux. يا ريتني طير لا طير حواليك يا ريتني طير لا طير حواليك مطرح ما تروح عيوني عليك مطرح ما تروح عيوني عليك ما تخلي غيري يقرب ليك ما تخلي غيري يقرب ليك لكن يا ريت عمره ما كانت تعمر ليك يا ريت كل الدنيا ملكي انا وحبيبي بشركي يا ريت انا وحبيبي بالشركي ما كنت بفوت ولا تكي ما كنت بفوت ولا تكي لكن يا ريت يا ريت وكلمة يا ريت عمرها ما كانت تعمر ليك يا ريتني طير لا طير حواليك يا ريتني طير لا طير حواليك مطرح ما تروح عيوني عليك ما تخلي غيري يقرب ليك لكن يا ريت عمرها ما كانت تعمل وبفرفح قلبي يا حسرة وبفرفح قلبي يا حسرة لكن يا ريت يا ريت وكلمة يا ريت عمرها ما كانت تعمر يا ردني الشعر بجفونك لا رد الشمس عن عيونك يا ردني الشعر بجفونك لا رد الشمس عن عيونك واتعلم سحرك وفنونك واتعلم سحرك وفنونك لكن يا ريت يا ريت وكلمة يا ريت عمرها ما كانت تعمر بيك يا ريت لا طير حواليك يا ريت لا طير
يا ريتني منديل بعدك دايما بسمع دقة قلبك يا ريتني منديل بعدك دايما بسمع دقة قلبك لو كنت بتعرف شو بحبك لو كنت بتعرف شو بحبك لكن يا ريت يا ريت وكلمة يا ريت عمرها ما كانت تعمر يا ريتني عبد من عبيدك وليل ونهار ما بين ايدك يا ريتني عبد من عبيدك وليل ونهار ما بين ايدك يا روحي شو كنت بفيدك يا روحي شو كنت بفيدك لكن يا ريت يا ريت وكلمة يا ريت عمرها ما كانت تعمر بيت ويا ريتني طير ما طير حواليك مطرح ما تروح عيوني عليك ما بخلي غيري يقرب ليك لكن يا ريت عمرها ما كانت تعمر بيت Nous voici dans Damas, la ville construite au bord d'un oasis, la capitale du régime de Bachar el-Assad. Ici, il y avait déjà une ville alors que l'humanité n'avait même pas encore inventé l'écriture. Un proverbe syrien dit que qui tient Damas tient la Syrie. Et en vérité, ce n'est pas tout à fait faux. Il faut tout de même se rendre compte que la Syrie, ça a été quelque chose de grand. Car il n'y a pas si longtemps, les termes de Jordanie, Israël, Liban, Palestine ou Irak ne se trouvaient pas sur les cartes. À la place, si on voulait se rendre à Jérusalem, Bagdad ou Damas, on se rendait tout simplement en Syrie. Et puis, quand l'Empire ottoman est tombé et que la France et l'Angleterre se sont attribués la région, cette gigantesque zone fut découpée. Une blague syrienne raconte même que le pouvoir appartient au premier militaire à faire un discours sur Radio Damas. Tant le pays est instable. Et à partir de 1970, le pouvoir est pris par le clan de Hafez al-Assad. Assad vient du parti Baath, un parti mêlant les méthodes socialistes à la pensée nationaliste arabe. Ainsi, les Assad sont au pouvoir en Syrie sans discontinuer depuis 50 ans. Damas est une grande ville. Il y a des quartiers très riches, mais aussi des quartiers très pauvres. Et le plus beau des quartiers, celui où le mètre carré y est le plus cher, c'est le très prestigieux quartier du Madzé. Ultra protégé, c'est le cœur du régime syrien. Tous les lieux du pouvoir s'y trouvent, et au sommet de la colline surplombant le Madzé, le somptueux et très secret palais du président Assad, estimé à minimum 6 milliards de dollars. Damas, c'est la citadelle imprenable des Assad, le gouffre de Helm du régime syrien. Si Damas tombe, Bachar perd la Syrie. Et pourtant, en 2012, ce régime si stable a vacillé. Des frappes de mortiers ont même touché le palais présidentiel. Mais rassurez-vous, le régime aujourd'hui y a réinstallé ses casernes et ses prisons. Et pour comprendre la stabilité de ce régime, il faut en tâter ses fondations et rouler sur le périphérique de Damas. Aucune ville au monde n'a autant été construite pour protéger son régime. Tous les croisements importants de la ville débouchent sur des casernes militaires et les quartiers sont agencés de manière à ce que les zones les plus favorisées encerclent les zones les plus pauvres et les plus chaudes. Ainsi, les soulèvements sont très difficiles et le quadrillage du territoire par l'armée est complet. Aujourd'hui, la dernière radio libre de francophonie a un rendez-vous très spécial. Nous sommes dans le quartier du Madzé pour recevoir en direct du palais présidentiel une cassette de musique que le régime souhaite passer sur nos ondes. Bachar al-Assad ayant été informé de notre émission et de l'intérêt que nous avions pour le folklore, il a souhaité nous faire parvenir cette cassette contenant des chansons patriotiques locales. Car, qu'on le veuille ou non, ici, la propagande d'Assad est partout. Il est certain que le régime ne fait pas l'unanimité dans le cœur de tous les Damascènes,
Mais quand on se balade dans Damas, ce qu'on entend, c'est ce son très étrange, mêlant des airs populaires arabes à de rigoureux chants rappelant la musique soviétique. Un mélange de nostalgie socialiste et de nationalisme arabe, en somme, le parti Baath sur MP3. Les titres sont partagés sur YouTube, on les écoute dans les rues, en haut-parleur, ce qu'il faut, c'est inciter le Syrien à défendre coûte que coûte le régime de Bachar. Défendre ce qu'il reste de l'ancien monde, celui où Damas tenait le Moyen-Orient dans sa main. Et si possible, vu l'urgence de la situation, abattre tous les ennemis de cette cause. Même si ces ennemis sont des adolescents qui écrivent « Jay Alek Eldor, ya Doctor » sur un mur. على قد رجال هالأرض بتبني استقلالها قيمة الرجال مرهونة بقيمة أفعالها ورجالك يا وطن وضعوا راس الوطن هيك الأبطال بتكون وهون استقلالها الساح ساحتنا او العز بوابها دار الامجاد دارتنا تحضن احبابها الساح ساحتنا والعز بوابها دار الامجاد دارتنا تحضن احبابها طلبت ارواح ارواح نقدم كرمالها طلبت ارواح ارواح نقدم كرمالها على قد رجال هالارض استقلالها قيمة الرجال مرهونة بقيمة أفعالها شعب التحرير ما بيحمي للظلم جبينه بيضل كبير بالنصر والله بعينه شعب التحرير ما بيحكي للظلم شبينه بيضل كبير بالنصر والله بعينه عاشق هالارض الما هزت للريح جبالها عاشق هالارض الما هزت للريح جبالها على قد رجال هالارض بتبني استقلالها قيمة رجال مرهونة لو مهما الليل عتمات عبلاد جاره من قلب الليل موطننا بيطل نهاره لو مهما الليل عتمات عبلاد جاره من قلب الليل موطننا بيطل نهاره لحدود السيف الما قدروا لا سيف يطالها لحدود السيف الما قدروا لا سيف يطالها على قد رجال هالارض استقلالها قيمة رجال مرهونة قيمة أفعالها على قد رجال هالأرض بتبني استقلالها قيمة رجال مرهونة بقيمة أفعالها رجالك يا وطن وضعوا راس الوطن هيك الأبطال بتكون وهون استقلالها Nous reprenons la route à travers les sonorités de Syrie et nous quittons la capitale pour avancer encore plus vers le nord. Nous reprenons le périphérique le plus militarisé du monde et roulons désormais vers Hama. On aurait aimé ce soir prendre le roumous chez Assad. On aurait aimé rencontrer cet homme afin de lui poser quelques questions. Mais hélas, Assad a d'autres chats à fouetter. Vous n'êtes pas sans savoir que la situation du pays est très instable depuis 2011. Ce qui était au départ un mécontentement partagé par de nombreux Syriens s'est transformé en une guerre civile, fratricide à la complexité au moins aussi grande que sa violence.
Et c'est, semble-t-il, le dernier acte de la tragédie syrienne. Une lutte de tous contre tous dans un chaos d'intérêts divergents. Jamais l'humanité n'avait été aussi sale dans sa manière de faire la guerre. La Syrie, c'est des bombardements quotidiens, des massacres de population, une guerre d'usure et de position, de déracinement, entre différents camps dont les alliances varient au gré de l'actualité. Sans aucun doute, la catastrophe humanitaire du siècle. Et si vous voulez comprendre la tragédie syrienne, je vous invite à déambuler dans Hama. Ici, on sent bien que le régime n'est pas aussi bien installé qu'à Damas. Et pour cause, Hama, c'est le point de départ de toutes les révoltes. La population y est dense et majoritairement sunnite, opposée à l'élite alaouite d'Assad. Déjà en 1925, sous le mandat français, la ville est bombardée pour écraser un soulèvement. Et plus tard, en 82, une insurrection des frères musulmans est écrasée par Hafez al-Assad, un bilan humain de 40 000 victimes. Ici, bombarder et massacrer la population de Hama semble être une tradition. Alors nous passerons par Hama, mais ne nous arrêterons pas. Nous devons continuer la route pour nous reposer ce soir encore plus au nord, à Idleb. En attendant, nous envoyons une cassette à tous les habitants de la ville en signe de soutien. Car nous sommes bien peu de choses pour ces gens qui vivent dans un quotidien que nous ne pouvons pas même imaginer. Notre cassette contient les ondes d'une Syrie qui souhaite la fin des conflits. Celle de deux rappeurs syriens qui se retrouvent pour un direct sur SoundCloud entre deux bombardements en 2015. Le titre s'intitule simplement « Ensemble », car c'est tout ce qui semblait compter, être ensemble pour s'exprimer, rêver d'une Syrie en paix, rêver de la fin du cauchemar, si seulement c'est possible, Inch'Allah. Qui a dit qu'il n'y avait pas de West Coast syrienne? Qui a dit que l'opposition n'était que des islamistes radicaux fermés au monde? Alors pour vous, les habitants de Hama, Bima Anna, Latlate. امتعاضك استدراطي استبلاطي استملاكي اسمي الجابي استفهامي التصيامي بس من برا سلاقي طفل بالحاضني كاغي ايام بمقطع ربي شعر باطي صلى ايام مكان المسرح الفاضي وتر يفصص بزر يقصطوا لك بالاجر وانا عالشرب عايش من التفرح وسناني نطلع من ارض ديار هريبة والوتر عكتاف ربينا سوا بعدين بيسلع ليش بلاد الخص قال انا كلب صاير ما راحت ايام مكان اللي بجيبنا انا وياهي جبلنا فطاير طاير مصارخ على البلكون طاولة قصب طول الليل بلاد داحة للصاروخ انشعل حطب بساروجة بغرفة صغيرة انا وهو عم نتصفل والرهان صار شد عم عمين بتزبط اول الثنائي باقي حنبقى كل الليل عم نقسم بقايا طبخ البيض على صحنين ولا اللي جمعنا انه ما معنا بوم بام لا تلاتي اللي جمعنا انه ما معنا بوم بام لا تلاتي صاروجة اللي جمعنا انه ما معنا بوم بام صاروجة اللي جمعنا انه ما معنا لا تلاتي خصوصي اذا المنفى لوطي الغير باحبه صرت خايف تطلع الحاره براس الولد وحمي بتقلي ازمه طيب خليك عم تستفزني ميت ورده ولسه بحلم اطلع مع البوبو بحفله بيستغربوا انه ثنائي استخش نحافه مين حيفهم اذا البنطلون مشوم ما بده ترازي كان باقي دفتر عيله بتكمل حشي العكازه بركي تسعه سته تات بتقفر مين كبير ومين بكاغي انا صاير وقح متوحش اصلا مفكر حدا طبيعي بيسود ما متوحد بكره بيقولوا شو هترك للتلتي طب خدي انا بوبو اشطر شي فيه هو المنيكي من وقت بوم بوم بام وعم نلملم اشلقنا نفكر رح نموت وفي بنتين اخوات اسمعن ع اسمائنا صاروا جع بيت حارة راك بقفل ايدي بيصفق ساردين طالما هالبلد لسه بيسرد ساردين طالما هالبلد لسه بيسرد ساردين طالما هالبلد لسه بيسرد اللي جمعنا انه ما معنا بوم بام لا تلتي صاروا جع ساردين طالما هالبلد لسه بيسرد ساردين طالما هالبلد لسه بيشرد اللي جمعنا انه ما معنا لا تلتي Gardez bien votre pied sur l'accélérateur et continuons encore vers le nord. Idleb nous attend. Vous êtes sur la route la plus dangereuse du monde. Ici, il y a tellement de poudre étalée sur le bitume que le simple fait de rouler dessus pourrait nous faire exploser. Vous êtes sur la ligne de front. Depuis 10 ans, cette route est l'objet de batailles, de bombardements, d'attentats. On ne compte plus les morts, les disparus et les explosions dans la région. Les villages aux alentours sont soit détruits, soit exsangues. Il n'y a partout que des ruines. Cette route, c'est le Verdun de la Syrie. Et pourtant, les anciens se souviennent, on l'empruntait il n'y a pas si longtemps pour aller à la mer.
Il y avait de nombreux touristes venus de Turquie et du monde entier qui parcouraient cette route. Aujourd'hui, les touristes ont toujours des appareils photo, mais ils ont aussi des kalachnikovs et des lance-roquettes. Je n'ai pas du tout la prétention de vous expliquer ce qui se trame autour de cette route. En revanche, ce qu'on voit, ce sont des hommes qui tirent les uns sur les autres. On ne sait plus vraiment qui tire sur qui, ni qui tient avec qui, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup de gens prêts à se battre. Et surtout, beaucoup, beaucoup d'armes. On ne cherche pas à savoir d'où viennent ces armes, car on ne s'occupe plus tellement de ce qu'il se passe sur Terre. Depuis le ciel, les bombes tombent en permanence sur des cibles qui semblent plus ou moins arbitraires. Encore une fois, on ne sait plus tant qui bombarde qui, mais on sait que la population n'a pas fermé l'œil en 10 ans. Nous sommes dans les rues d'Idleb. Pour diffuser nos ondes, nous avons dû nous brancher avec un câble de 50 mètres. Pourquoi ? Eh bien parce que ici, les antennes de connexion sont des cibles. Dès que celles-ci s'allument trop longtemps, elles se font bombarder. Alors, pour se protéger, on se connecte avec des allonges de plusieurs mètres. Voilà le quotidien d'une radio à Idleb, informer une population de 4 millions d'habitants, massée entre une frontière turque verrouillée et la ligne de front la plus sanglante du Moyen-Orient. Ici, sur la route où passaient les saints chrétiens et les compagnons du prophète, ici, l'humanité est offerte en sacrifice aux vendeurs d'armes du monde entier. Nous avions tout le Levant et aujourd'hui nous ne sommes plus qu'une clinique. C'est la piste que nous avons trouvée à Idleb et que nous vous diffusons ce soir. Une autre chanson de cette génération de rappeurs syriens sur SoundCloud. Alors hélas, SoundCloud ne passe pas à Idleb, Internet y étant partiellement censuré. Alors, pour toutes les âmes tourmentées qui veillent en ces lieux, Assassi et Nurulez, The Clinic. توعية واحد اثنين واحد اثنين اخوك الاساسي ولا فيوز من بلاد الشام مع اخوك الناروز يا ابراهيم باشا على البيت اسمع اسمع العود ما كان منكسر لكن الخبر خايف عليه مثل اي شي تاني انكسر اعطيني وجهه سفر غير كوكب المريخ والقمر العواد سكر ورشه التصليح فشر استسلم بسامبل عود بسامبل فيه لعود بلا ما تسمبل ورايع اي لحن بجود معركة فكرية مستقرة ثقافية مستمرة ولقاء التحالف رح يكون بالساحل أنا أساسي نوروز مع أخوك الناروز لأنه ثاني عن كلامك الساحل كيفك فيا شلونك فيا لا دقوني حلبي ما جرب تخلق انمي عم حاول اشرح ألمي البلد المحاشي والكبب نص انسحب والنص التاني هرب تحديدا طفش عوش البحر نفش اذا راسك معبى اكل هوا مثل الطابة لا اتقمص محمد عفش بستعمل اي تكنيك لشوط فيك اسمع اللحن بيموت وبيضل فيني ايقاع لا اضبط الشوطة لا دوزن اي نقطة بتخص البلاد لانه البيضات كبار اشترى حفوضة بولاد اسمعيني وجودي بوصلك عودي بنصلك المتيم ما اتنس والحاكم اختلس عودي يا اللي بهز خصرك بزف نصرك بكسر كالرف نصف عليه وعودي جمع اسماءنا نار مع سي بيطلع نار سي نرجسي مركزي قيادة او سيادة قائد نفسي ومنفذي سيد العلاج بالعيادة فك فقط بالعيادة العيادة 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 عطيني جرعة من الخطايا لضلني عما استنشق ذاكرتي تلفت لسالك ما عاد بتفرق افكاري المتنصرة بتعطي لفلواتي ابرح حوالي اشلي زالك مهما كتروفة هني قلي الخوف بيخلق الطاعة الشكلية لذلك قررت خالف هالتمثيلية حتى استمر بهالممر الدنيوي واترسخ جسمي مشتر روحي سبقتني اخدتني على البرزخ لا تسألني من اي وجع مستورد فكري الدنيا اخدت حقي فحصنت نفسي ومخي ما بعمري كانوا تطخي لو بيطخني ما بيهمني عشت معاكس الاكاسي فما حدا بيصفي شايل هم الدنيا بكتفي قضية هادف كل شي مريت بشوف الارض اخدت مع الدنيا سيلفي باشا هون مع الاساسي والطرب شغال محاربين قدامه مستعدين للقتال Nous sommes au bout du bout. Idleb, c'est le point le plus au nord de notre voyage. Si nous continuons, nous arrivons en Turquie. Impossible d'aller plus loin pour le moment, les portes de la Turquie sont actuellement verrouillées. Et pour cause, nous ne sommes pas les seuls sur la route. Au nord d'Idleb, des centaines de milliers de familles se déplacent pour frapper aux portes de la Turquie et par là, accéder à l'Europe.
mais la frontière de l'ancien empire ottoman est fermée. Parfois, les portes s'ouvrent, mais elles ne laissent passer que de lourds camions blindés. Pour l'heure, nous coucherons ce soir au pied du mur qui sépare la Turquie de la Syrie. Nous branchons une dernière fois notre antenne vers le nord afin d'entendre le son électrique et flamboyant d'une Turquie en quête, elle aussi, de liberté. Nous sommes bloqués, impossible de passer en Turquie, soit nous retournons chez Assad au sud, soit nous attendons qu'une bombe détruise notre camp. Il nous faut alors reprendre la route et terminer ce voyage syrien à travers le sud-est. Nous aurons une longue route vers Alep, Raqqa, Deir ez-Zor, pour enfin arriver à Bagdad, en Irak, et normalement y trouver la paix. Alors je vous laisse, avec l'artiste turc Gayesu Akyol, je vous laisse derrière ce rêve de voir un jour la Syrie se relever. Moi, je reprends la route et m'avance vers Alep, autre ville martyre de cette révolution. Bagdad m'attend et j'ai encore de nombreux sons à enregistrer pour notre radio. Parmi ceux-ci, les imams d'Alep, les soldats kurdes ou la production musicale des filières djihadistes dans le désert. Le sud-est syrien recèle encore de secrets que je n'ai pas découverts, alors à très bientôt. Comme on dit ici, Leila Saïda, bonne nuit à tous, en tout cas pour ceux qui ont la chance de pouvoir fermer les yeux. Rock'n roll istikrarlı hayal hakikattir. Ölüm var ve bu bir rüyadır. Rock'n roll.